Par ses acclamations, les comptes administratifs du maire et de gestion du receveur municipal de la commune de Ngoura sont adoptés par l'organe délibérant pour l'exercice 2022. L'observation est celle de la satisfaction des conseillers au vu des travaux que nous avons pu effectuer hier pour aboutir à l'adoption du compte administratif du maire et du compte de gestion du receveur municipal. Au cours de cet exercice, la gestion de la commune de Ngoura dans le département du Lomé-Djérém, région de l'Est du Cameroun, s'est faite sur la base des prévisions budgétaires de 1 568 705 francs CFA. Parmi les réalisations enregistrées à l'actif de cet exercice budgétaire, l'on note la construction d'un poste agricole, des salles de classe, des forages et adduction d'eau potable, la tribune de la place des fêtes et du stade municipal de Ngoura, les logements d'astreinte et bien sûr l'entretien des routes. Nous mettons l'accent pour la scolarisation de nos enfants, pour soigner nos populations. Et nous mettons aussi l'accent pour l'accès à l'eau potable. Quant à la réalisation et construction des salles de classe, des mini-adductions d'eau, nous sommes vraiment satisfaits. Pour l'exercice 2023, le chef de l'exécutif municipal de la commune de Ngoura compte bien mettre la barre plus haut. Nous avons fait de fortes recommandations en lui demandant de mettre un accent sur la coopération avec les autres communes qui sont pour le conseiller de Ngoura d'aller vers les autres pour voir comment ça se passe ailleurs et venir implémenter chez nous. Le préfet du département du Lomé-Djérém, à travers son représentant, a d'ailleurs invité tous les conseillers municipaux à soutenir le chef de cet exécutif dans la mise en œuvre de ses projets.